Salut à tous. Eh oui, si j'ai la serviette, c'est parce que je suis pas présentable, comme d'habitude. Vous devrez savoir à partir de maintenant que j'ai horreur de me montrer sur internet avec cette saloperie de bouc que j'ai même pas pu raser. Bon, ben, maintenant que je suis dans le train, maintenant que le vidéologue est lancé, tant qu'à faire, pourquoi pas envoyer un petit générique pour annoncer la convention, hein? Convention, je ne vais pas passer le week-end dans ma chambre à me goinfrer des... Le plorg. Hein? N'est-ce pas, monsieur Nathaniel? Voici depuis Villeneuve-le-Roi. Je viens de sortir de l'hôtel et je me dirige vers le parc des expositions de Paris-Villepinte via le RERD à Villeneuve-Saint-Georges. C'est pas très loin, il suffit de passer la Seine. De toute façon, je connais l'endroit, j'y ai déjà vécu pendant 2 ans, rappelez-vous. Eh oui, bah le temps n'est pas au beau fixe, mais j'y vais quand même. Bon, aujourd'hui, jour de la finale TDR League Steel, dans laquelle je ne vais pas participer, puisque je me suis réservé exclusivement pour le score. Oh, je vais essayer de passer à l'occasion pour voir s'il y a des révélations intéressantes en Steel cette année. Mais ce que je vais faire, c'est particulièrement... Ce que je vais faire particulièrement cette année, c'est, bon, comme d'habitude, partir à la chasse aux photos de cosplay et partir à la chasse aux dédicaces, parce que j'ai 2 objets que je vais faire dédicacer par 2 personnes very, very, very important for Jäger. Vraiment, vraiment faux, je suis VIP. Itekimasu. Nous n'avions pas ce hall la fois dernière. Une toute nouvelle dimension pour Japan Expo, dirait-on. Voilà, un petit overview. Pendant ce temps-là, j'en profitais pour raconter mon périple, si je puis dire, entre Bordeaux et Paris. Déjà, le train, il part en retard. Des problèmes d'aiguillage à la gare de Massy, ce qui fait que le train a été retardé davantage. Résultat des courses, j'en profite pour arriver à la gare de Lyon, minuit 45 passé, 1h du matin, plus un seul RER. J'étais obligé de me payer le taxi pour arriver à l'hôtel. Et là me voilà réveillé depuis 7h du matin. La galère, je vous dis, la galère, la grosse galère.
Japan Expo cohabite avec Comic Con. Deux conventions pour le prix d'un, si je peux dire. Bah, c'est pas tout ça, mais va falloir y aller. Je sais pas quelle heure il est. Entre 11h et 14h, je sais qu'il y a une des deux personnes chez qui je vais obtenir une dédicace qui va être présente sur le stand Soleil. Les habitués du genre sauront très bien à qui je fais référence. Donc ici c'est Japan Expo. Ça par contre c'est du DC Comics, donc c'est Comic Con. Facile. Facile à faire la différence. Ben voilà. Là je suis sur la démarcation entre les deux conventions. Ça va. Bon, toujours est-il que, chose très importante à savoir, il faut que je trouve le stand des jeux musicaux. Le stand des jeux Konami. Mais je reconnais plus rien. Mais il est où le patio? Faire le chemin jusqu'à Paris pour la finale Black Excess DJ Hero organisée par Sephora et Paco Rabanne, hein? Ceci, ça va tout l'air d'être le Thunder Games. Une partie de DJ Hero plus tard, me revoilà reparti pour l'exploration de Japan Expo. Bon, alors, c'est pas tout, mais je voudrais un plan. Parce que si j'ai pas de plan, comment voulez-vous que je puisse repérer les stands des jeunes créateurs et le stand Soleil? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Un cosplay de bonhomme de neige? Tyrann. J'ai déjà gagné des lots. Bah, on verra bien. Il y en a qui vont pas finir la con en un seul morceau, moi je vous dis. JE Live House. Ce n'est pas ma destination, mais bon, je voulais vous le mentionner quand même. Sans plan, on est un peu perdu.